Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art et je vais tester ce gel spécial stamping que j'ai acheté chez Born Pretty Store. Ça m'intriguait ce truc là, donc on y va, nail prep, du primer et donc une base en VSP. On va changer un petit peu, je vais prendre cette couleur que j'ai acheté chez NDED. Une espèce de bleu gris trop joli. Et on y va pour la première couche. Première couche de posée, on catalyse à chaque fois et on ferme ses autres doigts. Pour ce l'annulaire, je vais prendre un autre vernis de NDED mais avec des paillettes celui-ci, dans les tons un petit peu bleus également. Et on y va. On catalyse. Et on va passer ensuite à la deuxième couche. Deux couches suffisent pour avoir une bonne opacité. J'avais pas beaucoup de vernis, non, j'avais pas du tout même de vernis NDED, c'est mes premiers en semi-permanent. Et ma foi, ils sont pas mal du tout. Deuxième couche pour le pailleté également. Et on catalyse à chaque fois. Donc moi je catalyse 60 secondes sous lampe LED. Je vais prendre cette petite plaque de chez Uber Chic. Vous avez les références. Et on va tester ce petit gel. Donc il faut en mettre assez peu car vous allez voir que quand on va l'étirer, ça couvre en un seul coup. Et j'ai même remarqué qu'on a même du rab sur la spatule. On vient stamper et ça stampe vraiment super bien. On pose sur le doigt et c'est impeccable, rien à dire. On vient gratter, alors vu que c'est du gel, ben, c'est pas sec, donc on peut venir nettoyer. Il n'y a pas besoin de mettre du peel-off, c'est super. Et on vient catalyser. On nettoie la plaque comme d'hab avec l'acétone et en effet, il n'y a pas de truc de collant sur l'ongle. Et je peux même récupérer mon surplus sur la raclette, et impeccable. Donc en fait, le tube me paraissait petit, mais finalement, on peut s'en servir. Enfin, c'est économique finalement. On peut même prendre un petit coton pour nettoyer avec un petit peu d'eau, c'est nickel. Je viens poser le top coat final, je catalyse. Et mon nail art est terminé. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis totalement convaincue par ce gel stamping. Je pense que je vais en reprendre d'autres. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et à samedi prochain. Bye!